Voilà, je me suis fait attaquer près de la Garriguette. Alors, je me suis fait attaquer pendant que j'allais chez l'épicier m'acheter une bouteille de d'huile d'olive. Un homme est apparu, il a tapé sur la bouteille, ça a renversé de l'huile partout et j'ai glissé dessus. Il en a profité pour me matraquer le visage, monsieur. D'accord, vous êtes où là exactement, monsieur? Je suis dans un bar où là, des jeunes sont en train de fêter la victoire du football. Je suis en train de me prendre un ballon pour essayer de retrouver mes esprits sans mauvais jeu de mots, monsieur. On vous a volé quelque chose ou pas? On m'a volé mon huile d'olive, mais ça c'est pas très grave au final. Je suis monsieur Fernandel, Thierry Fernandel. Le café, il se trouve sur une place? La place est pugée, monsieur. Fin de transmission. Terminé. L'homme. Bonsoir. Oui, voilà, j'aurais besoin de quelques bouteilles, monsieur. Ouais, je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle monsieur Fernandel. Votre prénom, s'il vous plaît. Fernand. Pardon? Fernand. Pardon? Je m'appelle Fernand. Fernand Fernandel. Fernand. Fernand, je m'appelle Fernand, Fernand Fernandel. L'adresse, s'il vous plaît. 12 rue de la Gasconiette. 12 rue de quoi? De la Garguignette. Je connais pas, ça existe pas. Non, mais c'est pas vrai. Alors, ça fait vous parler bonsoir? Allô, bonsoir. Vous voulez boire quoi? Alors, je vais prendre une bouteille de Ruinard. Un Ruinard, ensuite? Est-ce que vous avez du bon cognac? On a du Hennessy. Ah, moi j'aime beaucoup le Hennessy, je vais en prendre 4. Bon, on va annuler le cognac. Je vais plutôt prendre 4 bouteilles de pastis. Ok. J'ai un petit problème d'huile d'olive en fait, ça n'a rien à voir. Mais les épiciers sont fermés. Est-ce que vous en avez avec vous? Alors non, on n'a pas d'huile d'olive. Ah merde, c'est dommage. Pas d'huile pugée? Non. Non, tant pis. On oublie, monsieur, je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. On va passer très rapidement à la bière, au vieux houblon. Et je vais prendre 3 packs de 1664, monsieur. Ah mince, Heineken, je vais prendre 14 packs de lèvres, s'il vous plaît. Ok, et on vous offre le 15e. Oh, merci monsieur. Eh bien, je vais finir sur un petit snacking, parce que je vois que vous avez un rayon snacking. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Parce que moi je viens du sud, comme le dit Chimène Badi, et j'aimerais bien me rappeler un peu mes origines en prenant, je sais pas, peut-être des pistaches. Ok, tu veux un paquet? On va être combien? On va être 55. Avec Patrick, attendez, je fais les comptes. Patrick, tu seras là tout à l'heure ou pas? Patrick, ok. Alors, on va prendre 22 boîtes de pistaches, monsieur. 22 boîtes de pistaches? C'est mon côté marseillais, j'aime bien mettre les choses en gros, si vous voulez. J'aime bien qu'on roule dans la nourriture. Alors, c'est quoi votre numéro de téléphone, monsieur? C'est le portable d'un ami. Donc, si vous tombez sur lui, vous demandez monsieur Fernandel, c'est moi. Thierry Fernandel. Voilà, juste pour mettre les choses en point. Alors, la note est de combien? Pardon? 600 euros. Ah merde! Je me suis un peu trompé de budget parce que moi j'ai 5 euros, monsieur. Ah bah, regardez ce qu'on fait. Je vous fais à 555 euros. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Alors, pour faire un chiffre rond, je vais rajouter 2 feuilles à rouler slim pour me rouler un peu de bœuf, un peu de bédo, que mon pote Carlos a ramené du Chili. Un jeu de cartes pour jouer à la belote. Assujetti à cela, une boîte de préservatifs x4. Et je crois que le compte sera bon, comme le dit notre si bien-aimé Laurent Rangemeco. Remets, je sais pas comment on dit. Comme ça, vous pourrez vous enfiler tranquillement. Voilà, tranquillement. À l'ancienne, comme on dit dans le milieu. Si vous voulez, je vous fais un prix d'ami, comme vous êtes mon ami. Eh ben, allons-y. Je vous fais 300 euros. Eh ben, 300 euros banco, monsieur. Vous êtes pas mal à d'accord, j'ai force de faire cette boîte, ça doit faire mal. Un petit peu, en fait, j'ai beaucoup gueulé quand le joueur du Bayern a marqué les buts. Normalement, j'ai une voix normale, hein. On me dit que j'ai la voix d'Alizé. Je sais pas si vous voyez le délire. Là, c'est pas du tout la même histoire, monsieur. Attendez, je vais essayer de changer de voix. Allô? Sous la voix. Elle est un peu bourrée, la petite fille. Sinon, chantez-moi une petite chanson. Laquelle? Celle que vous voulez. The Show Must Go On, peut-être? Allez-y. C'est le groupe Queen, hein. Mettez le haut-parleur. The Show Must Go On. The show must go on. Faites cette recette s'il vous plaît. Alors, on est parti. Vous allez prendre 2 gousses de ciboulette, monsieur. Vous allez rajouter ça 500 g de farine du Mexique. Vous mettez 500 g de boulettes de viande. Vous tournez tout et ça vous donne des boulettes de viande. Et ma voix est en train de changer. Ça va beaucoup mieux. Bon, la chanson maintenant. Je vais essayer de vous faire que l'on prenne soin.
Il est venu le temps des amis, voilà. Allô, boisson, est-ce que vous répondez? Vous êtes drôle, monsieur. Ah, vous êtes bien gentil aussi. Ah, bah, je retrouve ma voix. Bah, du coup, bah, j'ai plus besoin de grand chose, à vrai dire. Bah ok, bah je vais rappeler la semaine prochaine du coup. Allez, passez une bonne soirée. Merci, vous de même. Et ben voilà. C'est la belle France. Elle est bleue.